Et enfin, j'aimais faire de la plongée, et surtout en apnée. Et il est vrai que dans ma famille, il y a des choses qu'on nous interdisait de prélever, et parce que ça avait du sens pour la biodiversité, pour le développement de l'écosystème. Tout ça résonne en fait en moi. La science représente pour moi non seulement la recherche, mais la compréhension de ce qui nous entoure. La science, pour moi en tant qu'individu, représente non seulement la recherche, mais cette recherche qui nous permettra justement de mieux comprendre ce qui nous entoure afin de respecter et de protéger la nature. Le scientifique, c'est un émerveillement parce que de voir toutes ces recherches, et c'est tellement délicat, c'est tellement précis et je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier, d'essayer de comprendre le vivant. Quand on entre dans cet espace, on peut juste fermer les yeux et s'imaginer au fond de l'océan. Et avec toutes ces couleurs, avec toute cette vie qu'il y a, c'est comme un enfant qui rentre pour la première fois dans un magasin de jouets et il a envie de tout toucher, de tout comprendre. Et ouais, c'est le sentiment que ça me fait à chaque fois où je me rends là. Vous ne pouvez pas faire de la recherche si vous n'aimez pas profondément ce que vous faites. En effet, le lien entre la recherche en cuisine et la recherche marine, je trouve qu'ils sont de pair, en fait, parce que vous savez, chaque fois que je cuisine, la première des choses qui me vient en tête, qu'est-ce que je veux donner? Je veux créer une émotion. Cette émotion, elle peut être une émotion avec une forme de joie, une forme de tristesse, une forme de réflexion aussi. Et je pense que c'est intimement lié tout ça. Vous savez, nous ne sommes pas éternels. Et il est important de penser à ceux qui vont venir, c'est-à-dire à nos enfants, à nos petits-enfants, pour continuer à préserver la planète. Si nous ne cherchons pas et nous faisons simplement que... nous ne faisons simplement que passer, mais ce n'est pas parce que nous faisons simplement que passer qu'il faut s'imaginer qu'il n'y a pas un après. Et cet après-là, c'est les générations futures.